Inch'Allah. Voilà. Je m'approche un peu. Ça, c'est les schémas d'équipement des centrales hydroélectriques Niba. Hein? Vous avez vu les schémas? Ok, maintenant on va essayer d'entrer à l'intérieur pour voir un peu les détails. Nous sommes à Tchala, là où il y a la centrale. On entre à l'intérieur. Nous entrons à l'intérieur. Voilà, c'est dans cette grande maison où il y a toutes les machines, les quatre machines. Je vous signale que parmi les quatre machines, il y en a deux qui fonctionnent, il y en a deux qui sont en bon état, et les deux autres, ça ne fonctionne pas. Je vous dis que cette usine est installée en 1953. Sont des machines. Je vous ai dit qu'il y en a quatre, hein, des machines. Des machines qui fournissent du courant électrique. Voilà, il y en a quatre. Ça, c'est à l'intérieur. Et là, ce sont les élèves qui sont en visite. Ils se font des photos. Un peu de bruit, je pas un micro, je supporte quand même. C'est la machine 4, hein, vous voyez que voilà, c'est écrit groupe 4. Quatre fonctionnent, hein? Ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez aimer la vidéo. Vous allez aimer la vidéo, il y a trop de bruit. Et là, vous allez voir les transfos. Les transfos est là. Les transfos est là. Vous avez vu les transfos, il est là, il est en mouvement. Vous pouvez sentir les transfos. On retourne. Voilà, il est là, il fonctionne. Merci beaucoup, je pense que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur votre chaîne YouTube HDCTV. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous étions ici à Tchala, dans la centrale thermique de Tchala. Voilà, merci. Et
la centrale fonctionne avec 4 machines, dont on peut voir les 2 machines en mouvement. Et les 2 autres, ça y est, à l'arrêt. Comme vous pouvez le constater avec moi. Merci beaucoup. Et partagez la vidéo et abonnez-vous sur votre chaîne YouTube HDC TV. Ciao, bye bye.